bien voulu être ici avec nous et que vous connaissez certainement beaucoup d'entre vous, vous remercier une fois de plus donc, pour l'amitié et l'honneur que vous nous avez réservé en venant ici dans cette salle ce matin pour assister à ce lancement du FESPACO à Paris. En plaçant cette 22e édition du FESPACO sous le thème « Cinéma africain et marché », le Burkina s'inscrit donc une fois de plus dans cette dynamique de culture, de promotion du cinéma en Afrique et dans le monde. Monsieur Poussin disait tout à l'heure que le Burkina a réussi effectivement à inscrire ce que nous avons appelé le centre de création des arts vivants, CEPAPA, donc, et ça va être installé à Ouagadougou. C'est la deuxième ville dans laquelle il y aura, après le FESPACO, à la fin du FESPACO, mars 2011, donc une autre partie du festival que nous appelons le mini-festival. Donc, je voudrais dire que c'est une implication au plus haut niveau de la France, bien sûr, et de tous les partenaires que de nous avoir soutenus et pour cette constante sollicitude qui nous permettra de corriger bien sûr les écueils de la dernière édition dont le délégué général a parlé tout à l'heure, ainsi que les partenaires l'ont toujours témoigné, l'importance que vous accordez au FESPACO, nous allons continuer d'y tenir et essayer de travailler à vous satisfaire.